Bonjour, je vous invite à nous rejoindre lors du sommet de la résilience qui se tiendra début février. Si vous avez envie d'un petit coup de boost, on va dire, pour 2023, tout au moins vous sentir un peu plus serein en termes d'état d'esprit, mais aussi si vous avez envie de développer votre résilience, donc découvrir vraiment des clés pratiques, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la santé au naturel, le jardin en permaculture, la maison écologique et bien d'autres thématiques, je vous invite à nous rejoindre. Et puis vous pouvez tout de suite découvrir en avant-première un extrait d'une des conférences. Il y a dans l'histoire de l'humanité des époques qui se succèdent les unes aux autres, on les connaît, le Moyen-Âge, haut, bas, moyen, la Renaissance, les temps modernes. Et il dit qu'aujourd'hui, une époque qui étymologiquement veut dire parenthèse, c'est comme une équation qui est contenue dans une parenthèse, puis quand on arrive à la deuxième parenthèse, on sait qu'on va passer à une autre équation, et que dans ces moments de fin d'époque, il y a à peu près toujours des inflations délirantes des valeurs qui ont prévalu, avec des stratégies de la peur qui sont mises en œuvre par des élites, parce qu'elles sentent qu'elles sont en train de perdre le pouvoir. Donc on a besoin de ces mots, et salutogenèse, il a en fait deux composantes. La première, c'est saluto, qui dans les langues latines a cette particularité intéressante de vouloir dire à la fois la santé, au sens vraiment très, très concret et humain du terme, mais aussi le salut au sens spirituel. Et donc, voilà, dans la sagesse des peuples, hein, immémorial, il y a chez nous cette assonance qu'en fait, la santé biologique et le salut de l'âme ont quelque chose à voir l'un avec l'autre. Et puis l'autre, c'est genèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on génère, comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on fait vivre. Ce qui a permis à des gens de tenir, alors que vraiment c'était le pire du pire à l'extérieur, on pouvait avoir des clés de lecture sur ce qui se joue dans nos vies au quotidien. Dieu merci, en étant exposé à des facteurs de risque beaucoup moins graves que ceux que je suis en train de nommer maintenant. Et donc c'est toute une réflexion autour de cette santé intérieure, j'ai envie de dire, et qui complète assez le concept de résilience. Voilà, alors j'espère que cet extrait vous a plu. Donc pour nous rejoindre, c'est vraiment très simple, l'inscription est gratuite et il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour une première conférence lors de ce sommet. À bientôt !